Bon, ok, aujourd'hui on est à Liège et il fait plutôt beau. Là on se dirige vers des spots que les locaux ils vont nous montrer pour s'échauffer avant d'aller à un petit water challenge que les gars ils ont repéré ce matin. Du coup ça va être plutôt cool comme après-midi, let's go. Là on vient d'arriver sur le premier spot et dès qu'on arrive là ça va faire un petit side press là. Le seul problème c'est que il y a un trou au milieu. Mais c'est bon, c'est ancré dans mes gènes, c'était marqué à la naissance là, side. Prochain. Oh là là, c'est énorme. Oh jeez. Du coup là, on veut partir de là, atterrir sur le mur là. Bon, maintenant c'est le moment de porter ses cojones comme on dit. Ça va partir en pierre feuille ciseaux. Je t'ai pas prévenu. Okay. Ça va partir en pierre feuille ciseaux. C'est hyper effet. Assez. 3. 1, 2. Pierre feuille ciseaux c'est de la merde. Ah c'est énorme. Mais qu'est-ce que je m'en fiche. Ah les gars j'ai du mal. Ellie il a plus de couronnes que moi. Donc il va le faire avant hein. Check ça mon gars. Il est chaud. Ah ça sent les pop-corn par là là. Oh je t'éclate Midi. Midi il a peur là du coup je le rassure. Vas-y vas-y c'est bon y'a rien à dire. Bon bah je crois que c'est réellement mon tour, mais je vais encore avoir peur. Bon vas-y ça décolle vas-y. Yes. En vrai il va se faire, je récupère 2 secondes et je l'éclate normalement. Parfait. Bon alors je vais vous expliquer la situation. Ce soir on dort chez Charles et Edouard et ils nous ont préparé, enfin ils vont nous préparer un sacré plat. Vas-y dis-nous tout Charles. Des boulettes frites. Ce soir on va se mettre bien, on va manger des vraies frites belges. Aïe aïe aïe. Ouais, toujours rêver de manger des frites belges. On va voir si ça vaut vraiment ce que ça vaut. Bon on arrive au Water Challenge et aujourd'hui il n'y a pas que des gens qui font du parcours. Il y a un mec avec son BMX. Oh la délire. Oh t'es chaud. Oh. Bah ouais direct. Tout va bien. Ouais tout va bien mon vieux. On est à Liège, en Belgique, et on se retrouve ici présentement devant la gare pour un challenge, water challenge. Nice. Ah il est chaud, check ça. Bon petit side press. C'est, ça fait plaisir là, faut pas que je tombe en l'eau en vrai, mais je fais des preps, ça devrait passer normalement. Vas-y, ça part hein. Avec mon pote Andy là, on va faire un pierre feuille ciseaux. Là, cette fois-ci, je vais le respecter. C'est l'équipe R, il y va en premier. Si tu tombes, bah tu tombes dans l'eau. 1-0. 2-0. Mais quand tu vas pour y aller. Ah là, t'as pas le choix là. Wouh! Maintenant c'est au tour d'Andy, il va le tuer. Mais il a un peu peur. Non! Oh! Fuck! Ça va? Fuck sake! Oh fuck non! Non! J'étais bien dessus en plus! Bon, ça fait un combattant en moins dans l'aventure, mais. Putain, il reste avec nous, frérot, j'ai ça. Et moi j'ai eu l'idée de passer la fontaine en dubchat. Du coup, vraiment, par-dessus l'eau dans la largeur. Je pense que ça va le faire. Ça fait quasiment 11 pieds, donc c'est une longueur parfaite pour bien bourriner et être bien dessus. Du coup je fais des preps à côté, c'est un gros bloc. Je vais essayer de quasiment le faire, et quand je me sens chaud, bah, je l'envoie au milieu. C'est bon ? Ça part les gars ! Je vais le refaire, il était pas clean. Ouais, yes, je suis content quand même, mais faut que je le passe mieux. Bon, bah ça repart direct pour lui là. T'es pas très content de son atterrissage au double chat.
ça n'a aucun sens. Là, je suis arrivé bien. Bah, j'ai pas raqué. Heureusement qu'il le fait trois fois dessus parce que j'ai merdé. Hein. Ouais, j'ai kiffé. Il est trop agréable. Les murs, ils sont parfaits. Le chat, il est parfait. C'est incroyable. Voilà, avec les petits poteaux, on va essayer de faire les percus. Maximum de presse. Oh la carte! Ah, qu'est-ce qu'il y a? On va déjà faire celui qui va le plus loin, tout seul. Premier candidat. Mais Olo, elles veulent pas aller à l'eau. Elles m'ont dit ce matin, hein, frère, tu restes sec. Mais là, je sens que ça va finir à l'eau dans tous les cas. Mais bon, c'est marrant en vrai, c'est le challenge. Allez, go. Ah, les gars, je le sens pas. Bon, bah écoute. Ah, bah. Allez, Mehdi. Non. Ah, le nul. Ah, c'est horrible. C'est horrible comme sensation. Et je comprends pas. Mehdi, normalement, il va jusqu'au bout. Candidat numéro 2, il est là. Ah oh oui, oui, oui. Non, il a. Non. J'y ai cru un moment. Mais oui. J'aurais pas dû m'arrêter. Oh, il est où? Il a pris le coup, il a pris le coup. Ça dévie très très vite cette histoire. Mais oui. Oh, oh. Non, en vrai, Florian, il est confiant quand il est comme ça. Généralement, là, ça. C'est sûr qu'il va y arriver. Mais si. Ça met tellement longtemps. Non. Oh non, c'est trop dur en vrai. Ah putain, mais en vrai, il y a moyen, je pense. Oh non. Enfin, j'ai dû arroser le frérot. Vous pensez qu'il y en a un qui va réussir ou quoi? C'est possible, pense, ouais. Ouais, sûr. Tu penses que c'est possible? Ah, j'en ai là. Mais oui. Autour de Matt Bru qui vient de risquer de tomber. Allez, Matt. Non. Mais ça dévie trop là-dessus. Oh, ouais. On en a fait un seul et on est tombé direct. Le level, il est au sous-sol, gros. Il est claqué au sous-sol. En fait, ça a l'air pas du tout dur. Et c'est super dur parce que dès que tu prends un truc un peu comme ça, du coup t'es comme ça, quoi. Deuxième essai pour Léo. Oui, allez, jusqu'au bout. Non, j'ai plus de choses, je peux même pas réessayer. 4 fois qu'elle tombe sa casquette et il sautait en l'air comme ça. Il faisait... Ah, c'est tellement drôle de voir les gens tomber dans l'eau. Bah ça y est, j'ai plus de choses sèches pour le reste de l'après-midi. Ce challenge a eu raison de moi. Nouvelle tentative. Cette fois, j'ai une chaussure de chaque. Tu vas t'éclater. Oui. Allez, 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 allez. Oh yeah. Oh, Louis, il a réussi, il est trop chaud. Oh, il est chaud. Oh, j'ai eu peur, mec. Ah, c'est chaud. En fait, il y a un moment, il commence à dévier, il commence à aller un peu à droite, mais là, ça l'a fait carré. Franchement, nickel. Les cliffs. On va à les cliffs, on a les chaussures mouillées, c'est le moment d'aller les cliffs. On va un petit pont. Il paraît qu'il y a des petites hauteurs sympathiques. La Meuse, elle est propre en général ou pas? Ben, en temps normal, oui. Mais avec ce qui s'est passé niveau inondation, je sais pas s'ils ont dragué vraiment le fond. Ah, donc, Nous, on a fait déjà des coulées à quelques endroits où on sautait nous. Ouais. Maintenant, ça reste potable, mais... Ben, on va prendre une bonne douche chez Charles et Edouard, alors. Voilà, Bilal, on va sauter de 7 mètres, on est des malades mentaux. C'est pas possible. Voilà.
Lui quoi? Chasse au piqué? Gainer, gainer. Gainer? Gainer. No gainer. Way. He's gonna jump from the top and yeah. Yeah, strong man. Petite coulée pour Mister. Coulée? Petite coulée ou quoi? Bah, personnellement, moi je suis en t-shirt et lui, il est torse nu. Oh non! Non mais lui il a dit qu'il aimait bien faire les coulées. Ah non non non, non. Alors voilà. Écoute, alors moi tu vois je m'appelle Mehdi, on me la met pas à l'envers tu vois. Ouais. Il a senti le coup arriver. Oh non. Oh. Bah, tu fais quoi gros? Voilà. À l'aise. Il y a grave du fond mec. On peut sauter pour sûr. Mathieu l'a annoncé, il va sûrement faire Barney Back par-dessus la barrière. Ça va être stylé. 3, 2, 1. Oh là là. Oh, elle est dégueulasse partout. Oh. Les clippers locaux ils sont chauds, ils sont très très chauds. Ça part en même temps avec Jolan, Barani Back. Ouais, let's go. Savait faire ça. Il a mangé un petit peu à Florian là. Mais en vrai il l'a lancé hyper vite, c'est incroyable, il l'avait jamais fait de sa vie. Oh par contre quand les gars ils remontent là, ça pue la mort l'eau, je crois qu'elle est vraiment immonde à un point mais pas possible. Ça va, petit plat à côté œil mais je vais refaire. Ça part. Et lui, la Mister là, qu'est-ce qu'il veut faire? Tu veux faire quoi? Ah bah, ok. Allez, gros. Déterre. Vas-y. Allez. Ça part. Allez, ma boy. Allez, reste dedans. Allez. Oh. Dur. La tête est passée, mais gros plat de la gueule quand même. Ça pas dans la gueule. Ça va, ça va. Boum. Tu vois. Ça va. Bien ouais. Oh là là. Voilà, t'es chaud. Hein. Là, on a fini la petite session d'échauffement sur le pont et on va aller à une autre passerelle qui est bien plus grande et bien plus visuelle. J'espère que ça va le faire, mais il y a des grosses péniches qui passent en dessous, donc faut qu'on fasse gaffe. Je vais lui dire stop, enfin je te dirai stop juste avant. Stop. Ouais, ça va. Voilà, il y a des guêpes partout, mon pote. Il y a des guêpes partout. Ok, parfait. Il y a 24,50 m. C'est énorme. Mathieu, il revient juste de faire la coulée pour regarder s'il y avait assez de fond là du 25 tout là-haut. Il y avait assez de fond en effet, et dès qu'il est arrivé en haut du pont, il y a une péniche plein de gravier qui est arrivée. Et ça fait depuis le début de la session qu'ils sont en train de se dire on va peut-être sauter dans une péniche de sable. Oh, c'est hardcore. Oh putain, ça aurait pu faire. Mathieu il a regardé la péniche et en vrai il était dans l'hésitation parce qu'en vrai on savait pas si c'était des cailloux, enfin un truc bien pour atterrir. Et du coup je pense que la prochaine il va pas hésiter et ça va partir. De toute façon on va y aller
l'un après l'autre. Non. Tranquille. Si tu le sens pas, il n'y a pas de galère. T'es prêt? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1, ça tire! C'est pas le jour, toi. La vie de ma mère, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, très très bonne décision. Oui, mec! La descente là, tu vois, juste de l'autre côté d'ici. Ouais, ça se fait, ça se soigne. Et bah justement, j'ai un pote qui l'a fait, mais on peut aller voir derrière. J'ai un pote qui l'a fait. Tu prends pas trop de vitesse, tu penses? Les deux jambes en arrivant. La vie de ma mère. Bah ok, bah on annule la mission alors. Il s'est pété les deux jambes, tu dis? Bah ouais, mais c'est pas du tout un gars qui fait du parcours. Ah, il était bourré, il a voulu le faire. Ah bah mec, tu veux qu'on passe? Moi, c'était chaud, je te regarde et après j'avise. Ok, à mon tour. Oh, oh putain. Wow, ça c'était fun, ça c'était bien drôle. Quoi? Vous en avez pensé quoi du saut du mec qui a sauté là-haut? Bah je trouve que c'est bien, c'est très courageux, mais j'attendais lui, mais je sais qu'il va le faire. Je sais qu'un jour il va le faire. Voilà, un jour, un jour. Bah, un jour, j'ai pas dit non plus dans 3 ans, hein. Je sens qu'il a la volonté là. Faut pas non plus trop traîner, genre. Voilà. Bon, bon ça dit quoi ce 25 mètres? Bah c'était cool, hein. Franchement, plaisir. Bon par contre la Meuse, les gars, wow, Il va falloir arrêter de pisser dedans en fait, c'est hardcore ça cette histoire là. Ouais, de ouf. Mais plaisir. Moi comme d'hab j'étais en train de prendre des photos hein. Et je crois que j'en ai une pas mal là. Ouh. Soit ça. Jeez. Oh jeez. Insane. 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 Bon ça y est, la petite session de clip est terminée. On a terminé par un bon 25 mètres qui réveille un peu. Dans une eau qui était pas super propre. Mais bon c'est la Belgique hein. C'est le folklore, on découvre un peu les régions. Et là on va dormir chez Charles et Edouard qui nous ont invités. Moi je suis un peu dégueulasse, du coup j'attends la douche avec impatience franchement. Let's go passer une bonne petite soirée. Il y a une technique qui sort là. Une sacrée technique. Des petits tips. Quand t'achètes une maison, t'achètes une maison plus grande et tu fais des chambres étudiants et du coup ça paye le loyer. Le business ça l'intéresse quoi. Ouais, je suis businessman avant. Je sens comme une. Ouais, on va être beaucoup là. Ça va être un banger. Ce repas va être un banger. J'ai trop envie de servir. Voilà. On est venu, mais. Sorry, j'en ai pas pensé. Non, c'est moi, genre du pénin. Attends. Repas typiquement belge. Genre des frites, du tartare et. Et de la petite bière, c'est incroyable. Putain, mais 20 000 followers, je suis bête. J'ai mis exprès pour vous aujourd'hui. Oh là là. Incroyable, les gars. Tu connais ?